Alors, tranquillement, je vous propose de vous installer dans la position de confort qui vous convient aujourd'hui. Inspirez. Expirez, relâchez. Et prenez le temps de laisser partir toutes les pensées. Rien n'a d'importance pour le moment que ce temps que vous avez choisi de vous accorder. Les yeux fermés pour ne pas se laisser distraire par ce qu'on pourrait voir. Inspirez et expirez lentement. De plus en plus lentement. Et portez votre attention sur la voix qui vous guide, la musique qui vous accompagne et surtout sur les sensations dans le corps. Inspirez, expirez profondément et relâchez. On laisse venir la détente. Tranquillement. On peut l'imaginer, la visualiser ou la sentir selon la façon de percevoir les choses. Il n'y a pas de normalité. Il n'y a pas de règle. Mais toujours inspirer et expirer profondément. En gonflant le ventre et en expirant, relâche. Et toujours, si une pensée vient, on la laisse passer, on la garde pour plus tard, car pour le moment, on ne peut pas traiter l'information. Et on revient à la voix, à la musique et aux sensations dans le corps. Rien n'est plus important pour le moment que ce temps que vous vous accordez. La détente s'installe peu à peu. Qu'elle descende du sommet de la tête vers le bas du corps ou qu'elle remonte des pieds. C'est selon vos perceptions. Mais toujours inspirez et expirez profondément. Dans cette volonté de lâcher, d'abandonner toute tension, de prendre le temps. Et dans ce moment de détente, je vous propose d'imaginer, de visualiser un lieu qui vous est agréable. Qu'il soit imaginaire ou réel, que vous y soyez déjà allé ou non, que vous ayez envie d'y aller réellement ou seulement ici, en imagination, prenez le temps de vous sentir dans un lieu qui vous est agréable aujourd'hui. Cela peut être un lieu naturel comme un parc, une plage, une forêt. Cela peut être une maison de campagne ou un village de vacances. Ou tout autre lieu qui vous apporte aujourd'hui une sensation agréable de joie, de détente, de calme, quelle que soit la sensation que vous ayez envie de ressentir aujourd'hui. Inspirez, expirez, prenez le temps. Rien d'autre n'a d'importance pour le moment
Et toujours, se concentrer sur la voix, la musique et surtout les sensations dans le corps. En vous imaginant dans ce lieu, seul ou accompagné, vous allez pouvoir éveiller tous vos sens. Inspirez, expirez toujours profondément pour que la détente circule dans tout le corps. Et commencez par laisser vos yeux voir tout ce qui se trouve dans ce lieu que vous avez choisi aujourd'hui. Que vous réussissiez réellement à le voir ou pas n'a pas d'importance. Imaginez, sentez. Prenez le temps de laisser vos yeux voir ce que vous avez envie de voir. Mais comme si vous n'aviez jamais vu. Comme si, pour la première fois, vous pouviez découvrir les formes, les couleurs, les ombres et les lumières. Les nuances de couleurs. Prenez le temps de voir votre lieu dans les moindres détails. Que ce soit un lieu que vous connaissez ou non, découvrez-le pour la première fois. Comme si vous aviez toujours été aveugle et que pour la première fois, vos yeux pouvaient voir. Et peut-être aujourd'hui, remerciez vos yeux de vous offrir ce cadeau, de pouvoir voir. Laissez vos yeux s'émerveiller. Peut-être que vous pourrez avoir envie de toucher ce que vous avez vu. Et en touchant, laissez la peau de vos mains, de vos bras, de votre visage et de tout votre corps savourer cet instant. Comme si vous n'aviez jamais rien touché. Laissez aller votre imagination, sans tabou. Imaginez que votre corps touche tout ce que bon vous semble dans le lieu que vous avez choisi. Laissez les frissons parcourir votre peau, la chaleur, la fraîcheur, la douceur de l'eau peut-être si vous vous trouvez dans l'eau. La fraîcheur de l'herbe, si vous vous relayez dans l'herbe. La douceur d'un canapé, si vous êtes installé. Laissez votre sens du toucher s'émerveiller, comme si c'était la première fois. Et remerciez votre corps de vous offrir ce cadeau. Et portez toute votre attention sur cet instant unique. Car toujours les sensations éveillées sont différentes pour peu qu'on y prête une attention particulière. Après avoir vu et touché, vous pourrez avoir envie de sentir avec votre nez les odeurs,
les parfums qui s'offrent à vous dans le lieu que vous avez choisi. Et surtout, prenez le temps de sentir comme si c'était la première fois. Comme si votre nez n'avait jamais rien senti. Comme si pour la première fois, les parfums vous étaient offerts. Prenez le temps de sentir les moindres odeurs en laissant libre cours à votre imagination. Prenez le temps de sentir tout ce que bon vous semble. Même peut-être, si vous êtes accompagné d'un animal ou d'une personne, prenez le temps de sentir son odeur. Comme si vous ne l'aviez jamais senti. Si vous êtes dans un lieu particulier, si vous sentez une fleur par exemple, prenez le temps de la sentir. Si vous êtes dans un restaurant, prenez le temps de sentir les plats. Mais toujours, comme si c'était la première fois, laissez votre odorat s'émerveiller et vous offrir ce cadeau unique. Après avoir vu, touché, senti, vous pourrez avoir envie de goûter tout ce que bon vous semble dans le lieu que vous avez choisi. Laissez aller votre imagination, sans tabou, et goûtez même ce que a priori vous n'auriez pas eu envie de goûter en réalité. Toujours en inspirant et en expirant profondément. Savourez l'instant. Et sentez avec votre bouche. Goûtez toutes les saveurs qui s'offrent à vous aujourd'hui. Découvrez. Et laissez vos papilles s'émerveiller comme si c'était la première fois. Comme si vous n'aviez jamais rien mangé. Et que pour la première fois, vous pouviez découvrir les saveurs. Même si a priori, dans le lieu que vous avez choisi, rien ne se mange. Imaginez peut-être que vous goûtez un brin d'herbe, que vous touchiez avec vos lèvres la peau d'une personne que vous connaissez bien. Laissez aller votre imagination et goûtez. Et remerciez votre corps de vous offrir ce cadeau. Car parfois, certaines personnes en sont privées. Alors, prenez le temps de laisser vos papilles s'émerveiller. Sans juger, juste laisser faire et découvrir. Abandonnez tout votre corps et laissez tous vos sens s'éveiller. S'émerveiller pour vous permettre de profiter intensément de l'instant.
Et après avoir vu, touché, senti et goûté, vous pourrez avoir envie d'entendre tous les bruits qui se trouvent dans le lieu que vous avez choisi aujourd'hui. Rien d'autre n'a d'importance que laisser votre oreille s'émerveiller des moindres bruits qui sont offerts à vos tympans aujourd'hui, mais toujours dans l'idée que c'est la première fois. Que pour la première fois, les sons frappent vos tympans, que vous avez la chance de pouvoir entendre. Laissez aller votre imagination et surtout, laissez les sons vous émerveiller. Cela peut être, selon le lieu que vous avez choisi, le chant d'un oiseau, la voix d'une personne que vous connaissez, qui vous accompagne. Même si vous la connaissez très bien, prenez le temps d'entendre sa voix. Cela peut être les bruits de vos pas sur le sol, si vous marchez. Cela peut être le son mélodieux de l'eau qui coule, s'il y en a dans le lieu que vous avez choisi. Cela peut être le bruit du vent dans les arbres, dans la forêt. Accueillez tous ces sons comme un cadeau, comme si pour la première fois vous pouviez entendre. Et rien d'autre n'a d'importance pour le moment que cet instant que vous vous offrez dans ce lieu que vous avez choisi. Et tous vos sens en éveil, acceptez de lâcher. De vous émerveiller comme un enfant qui pour la première fois découvre toutes ces sensations. Acceptez de prendre le temps. Et rien n'a plus d'importance pour vous que de lâcher. Laissez aller, prendre le temps, savourez l'instant. Imaginez-vous continuer de déambuler dans ce lieu, choisi aujourd'hui. Tous vos sens en éveil. Et pour vous permettre de revenir à ce qui est vraiment, vraiment important pour vous. Laissez tous vos sens en éveil. En émerveil. Et revenez à l'essentiel. Revenez à l'essentiel. Éveillez vos sens et acceptez d'écouter les messages de votre corps quand il vous indique le plaisir ressenti par tel ou tel cadeau, un son, une sensation de toucher. Quelque chose d'agréable à voir, à goûter, à sentir. Rien n'est plus important que ce qui vous fait du bien. Alors, acceptez de prendre le temps de vous poser ainsi. Ne serait-ce que quelques minutes. Dans ce lieu que vous avez choisi. Et profitez.
inspirez. Expirez lentement. Et toujours, si des pensées reviennent, laissez-les passer. Gardez-les pour plus tard et revenez au lieu que vous avez choisi. Et surtout, aux sensations éveillées dans votre corps, ici et maintenant. Lâchez. Laissez-vous aller pour le plaisir de l'instant. Accueillez comme un cadeau ce qui vous est offert tout autour de vous. Prenez le temps de vous offrir ce confort. Inspirez. Expirez. Puis tranquillement, vous allez pouvoir laisser ce lieu que vous avez choisi. Revoir la position de confort que vous aviez choisie. Sentir les appuis de votre corps sur le support. Ressentir la sensation de détente. De quelque façon que ce soit. Et sans juger, juste dans l'accueil, notez la différence entre les sensations maintenant et au début de la séance. Prenez le temps d'imaginer, visualiser ou sentir votre visage bien relâché, détendu. Observez vos épaules agréablement déposées sur le support, vos bras extrêmement relâchés et détendus jusqu'au bout des doigts, quelle que soit la position choisie. Ressentez les mouvements dans le buste quand il se gonfle et se dégonfle au rythme de la respiration, peut-être un peu plus lente qu'au début. Observez votre bassin, bien relâché, posé. Parfois, les organes à l'intérieur émettent quelques bruits ou quelques mouvements, signe qu'ils se détendent extrêmement. Observez, imaginez, ressentez vos jambes jusqu'au bout des pieds, quelle que soit la position choisie, extrêmement relâchées et détendues. Peut-être un peu plus qu'au début. Appréciez ce confort et cette détente que vous vous êtes offert aujourd'hui. Et tout en gardant tous les bienfaits de cette séance, en les laissant durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, nous allons accepter de mettre fin à la séance en réimaginant la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Sachant, bien entendu, que nous pourrons faire et refaire cette séance seule ou en écoutant l'enregistrement. Et pour le moment, nous allons doucement reprendre du tonus, bouger les orteils, les doigts, mobiliser les chevilles, les poignets. Nous pourrons nous étirer ou bâiller, nous frictionner. Et quand nous l'aurons choisi,
Nous pourrons rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.